Bonjour, je m'appelle Ghislaine Duboc et je suis psychothérapeute, sexologue clinicienne à Paris. Le sujet du jour, c'est comment gérer un filf. Qu'est-ce qu'un filf? C'est l'inverse d'un milf. Qu'est-ce qu'un milf? C'est en anglais Mother, I like to fuck, c'est-à-dire j'aimerais baiser littéralement ma mère. Donc le filf, c'est pareil, mais c'est pour les pères. Les filles aussi ont envie de faire l'amour avec les pères. C'est une mode qui apparaît et on confond souvent entre faire l'amour avec un père et faire l'amour avec un homme plus âgé. Faire l'amour avec un père, c'est normalement interdit. Donc, il y a un désir de transgression qui va s'accomplir à travers une personne qui va représenter le père. Cela n'a rien à voir avec faire l'amour avec quelqu'un de plus âgé, mais absolument rien à voir. Si je transfère sur une personne l'amour, le rapport que j'ai avec mon père, il est évident que sexuellement, je suis en train de faire l'inceste. Et que cette action qui au départ paraîtra comme une victoire, comme avoir brisé un grand tabou, eh bien, sur le plan physique, peut entraîner des difficultés plus tard de rapport sexuel, c'est-à-dire une difficulté d'orgasme, une sensation de régresser et une perte de confiance en soi. Donc, si vous voulez, quand c'est une personne âgée, il n'y a pas de problème. Quand je suis avec mon père, je régresse. Et c'est comme si je faisais l'inceste. Aujourd'hui, on voit ça comme une mode, mais il y a des interdits qui sont fondateurs de notre structure, de notre capacité à grandir, à nous épanouir. Si à l'âge de 10, 12 ans ou même plus jeune, votre père rentre dans votre chambre et fait l'amour avec vous, vous allez être détruite. Il ne faut pas croire que parce que vous en aurez 30 et que vous donnerez le pouvoir à un homme de représenter votre père, vous allez vivre ça très bien. Si c'est un homme, je répète, plus âgé, ce n'est pas un problème. S'il y a un transfert paternel, vous allez vraiment avoir des problèmes psychologiques et des problèmes sexuels. Donc je suis claire sur ce sujet. Ne laissez pas la mode franchir cet interdit. Cela en va de votre liberté d'exister et de vous épanouir dans votre sexualité. Au revoir.